Salut YouTube! Et voilà, aujourd'hui c'est le grand début de Control, un jeu de Remedy que j'ai déjà vu en stream. J'ai déjà vu des personnes le streamer. Dova, par exemple, l'a streamé, je l'ai suivi. Il y avait Nimelia aussi que j'avais vu sur le jeu. Et j'avoue que j'avais pas trop suivi l'histoire. Mais donc là, on va enfin s'y mettre. On va le poncer. Alors, j'avais vu un truc par contre. A priori, il y a des coin-coin à récupérer dans le jeu. Donc, évidemment, qu'on va aller récupérer les coin-coin. Voilà, je vous en fais la promesse. On va essayer de récupérer tous les coin-coin du jeu. Là-dessus, je ne transigerai pas là-dessus. Et je vais jouer à la manette. Parce que je pourrais jouer clavier-souris. Et en fait, clavier-souris, faut que je rebind tout parce que je joue. Enfin, voilà, mon clavier est en Beppo. Et donc, ça m'emmerde de tout rebinder. Donc, je vais jouer à la manette. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Nous, les grosses feignasses. Donc, voilà, j'ai un peu testé le jeu pour vérifier que tout marchait bien. Et on est parti. Tout le monde est prêt? Vous êtes prêts dans le chat? Eh ben on y va. Faut rester appuyé pour confirmer. D'accord. Ah, c'est vrai que maintenant je peux faire du full screen quand je sais qu'il y a. Regardez, hop. Oh là là, mais ça y est. On est dans le turfu, hein. Ce sera plus étrange que d'habitude. On n'a pas le choix. Tu m'as appelé. Alors me voilà. Je sais, je t'ai ignoré parfois. Mais je suis toujours contente de t'entendre. C'est juste que j'ai tendance à espérer un peu vite. Et trop souvent, ça n'a rien donné. Je n'ai rien trouvé. C'est comme si tu vivais dans une chambre avec un poster sur le mur. Regarde le poster en pensant que le monde c'est que ça. La chambre et le poster. Le poster est plutôt sympa. Un paysage ou quelqu'un de connu. Comme dans ce film avec la prison, c'est quoi le titre? Bref, la chambre est une cellule. Et l'image. Elle est différente pour chacun de nous. Elle peut être magnifique, ou laide, dégoûtante ou triste, mais elle nous obsède. Et ce n'est qu'un mensonge, une distraction pour mieux nous cacher la vérité. Ils nous mentent. On se ment à nous-mêmes. C'est la matrice? Cette chambre, c'est pas le monde. Le monde, il est bien plus grand. Bien plus étrange. Il y a un trou caché derrière le poster. Ça mène au véritable monde. Ah, parler de Shawshank Redemption. On se sent en sécurité dans la chambre. Mais parfois. Parfois, il arrive qu'une chose surgisse de derrière le poster. Ceux qui en sont témoins paniquent. Et essaient d'oublier ce qu'ils ont vu. Je suis ici. Explique-moi pourquoi. Eh oh! Y'a quelqu'un? La voix FR est différente. Ah! Bah, enfin, de ce que j'avais vu, là. C'était assez propre, hein, la VF, hein. Donc pour des soucis de simplicité, je pense rester en VF. Histoire que tout le monde puisse profiter quand même. C'est... voilà. Pour l'accessibilité, c'est quand même mieux. Enfin, j'ai un gros gun ou quoi? Objet prohibé. Ouvrir. Alors, les objets prohibés.
Le bureau fédéral de contrôle. Rappel, il est interdit d'introduire certains objets dans pâte à tarte. Des incidents récents imposent de rappeler la liste du matériel prohibé, les armes non autorisées, les pagers, les ordinateurs portables, les montres intelligentes, les téléphones portables, les consoles de jeux intelligentes, tous les gadgets dernier cri, les crayons en papier numéro 2. Hein? Tout objet considéré comme une représentation iconique. Canard en plastique, bouteille de ketchup. Comment ça? Pas le droit au coin-coin. Tout objet faisant l'objet d'une enquête du bureau doit être amené par les entrées privées. Si un membre du personnel du grand hall contrevient à ces consignes, veuillez prévenir immédiatement votre superviseur. Ah, je me doutais hein, que ça allait marcher. Moi, je joue pas tant que ça. Si tu as des clés, on met pas. Ok. Tu n'as aucun objet sur toi pour l'instant. J'ai rien, ouais. Pourquoi ça bip alors? Pourquoi je bip? Ça me fait flipper les portes qui s'ouvrent toutes seules là. Qu'est-ce qui se passe? Ah! On est en lockdown. Mais ils ont pas traduit ça. Et il y a la tête de la recherche qui est... qui est cassée. Putain, les portes qui s'ouvrent toutes seules là. C'est fou ça. Oh, c'est le turfu. Hein. Ce sceau, je l'ai vu il y a longtemps. Il apparaît sans cesse dans mes rêves. C'était pas un truc à collectionner ça hein? Alors, je vais tout collectionner. Hein. Je vous assure ça va être la cata. Hein. Alors recherche et archives. Ah oui! Ah, je vais piquer l'idée à Dova parce que l'idée était vachement bien. Hein, mais on va utiliser les coins pour la censure. Évidemment. Résumé des dépenses. Secteur exécutif T2. Rappel personnel surveillance. Projet du centre de données bâtiment. Secondaire, matériel de bureau entretien, retrait de la mousse, habitabilité, ok. Pour la feuille de tableur des dépenses, voire P5, page 5, pour un tableau quinquennal de comparaison, voire page 9. On peut zoom aide. Attendez, j'en ai... Ok, non, c'est... Ok, d'accord. Coucou Silent Genius. Coucou Quick Ben. Troll, j'adorais ce jeu. Bah écoute, moi c'est une première, je l'ai jamais fait. Donc on va voir ce que ça donne. Merci Dova hein, pour l'idée. Je sais que tu es en stream tout de suite, mais bon. Est-ce que je... Ah, je peux sprinter. Oh, c'est bien. Ok. Ils ont mis une photo du janitor. Pourquoi pas? Les toilettes sont propres. On comprend pourquoi il est en photo. Comment vont les gens de ce bon stream? Eh ben écoute, j'ai l'impression que les gens vont bien. Coucou Chrisou! J'ai beaucoup aimé le jeu également, même si y a un côté Uncanny Valley, dégueu dans les dialogues PNJ. Il aime bien le concierge, surtout son derrière. Effectivement, il a l'air d'avoir un beau petit cul quand même, le concierge. Hein. Regardez ça. Alors, on voit pas très bien parce qu'il a ses gros outils, mais c'est qui lui? La tête de la recherche. Caspi Darling. Mais par contre, le janitor, il a pas de nom. Et Zakaria Trenchcoat. Le bureau fédéral de contrôle. Oh, toutes ces années, je l'ai cherché, il était là, juste sous mon nez.
Attendez, c'est affiché quoi? C'est quoi? Le book club. Lavez-vous les mains, bande de dégueulasses. Une guitare acoustique à 50$. Il y a des trucs laissés dans le réfrigérateur. Ah, il y a des trucs qui disparaissent du réfrigérateur. Est-ce que je peux jouer avec le chariot? Je peux pas jouer avec le chariot. Je suis pas janitor, je ne peux pas jouer. Oh putain. Oh, j'ai fait tomber. Non mais non. Il va m'en vouloir le janitor. Non, c'est le mec le plus haut placé du bâtiment. Et il va m'engueuler. Bien le conseil. Ah oui, hop. N'hésite pas à prendre du temps à lire les documents, c'est souvent intéressant. Bah, c'est ce que j'ai fait. Jusqu'à maintenant, c'est ce que j'ai fait. Oh là, regardez. Oh là, comment elle saute bien. Oh, c'est joli. Putain, c'est une danse aux étoiles, quoi. Regardez. Hop, hop, hop. Putain, c'est le lac des signes, quoi, le truc. La sensibilité de la caméra un peu haute pour mon estomac en train de se remplir. Bah, regarde, je peux y aller plus doucement, regarde. Tu vois, c'est parce que moi, j'y vais comme un bourrin, tu vois. Tu manges quoi? Attendez, bah, un document. Alors. Ordre de la, putain, ordre de la sécurité. Bureau fédéral de contrôle à tous les... Un requin dans sa... bien que sécurisé. La permission de... En suivant le protocole élémentaire, permis de tuer. Bonne chance. Ouais, bah, ça va bien m'aider, hein. J'ai comme l'impression qu'ils ont censuré, quoi. Petite tarte citron meringuée en room service. Ah ouais. Par contre, te pose pas de questions. La gravité et l'impulsion que tu donnes aux objets qui t'entourent est plus que lunaire la moitié du temps. Eh, pas de spoil, là. Ça me spoil. Y'a pas de porte, là, ou quoi? Oh, y'a le janitor là-bas, regardez. Pourquoi il fait des bruits... Pourquoi il fait des bruits chelous, janitor? Non. Bureau fédéral de contrôle, bonjour. Comme vous devriez tous le savoir, à présent, les rapports R4 doivent être remis à la fin de la semaine. Nous attendons toujours ceux de plusieurs personnes. Si vous avez besoin d'un délai, veuillez demander le formulaire R4.E à votre superviseur. Si vous pensez être exempt de remplir un R4, alors vous devez obtenir l'autorisation écrite de votre chef de département pour le prouver. Souvenez-vous que remplir le R4 est obligatoire, conformément à la section 75.2 du personnel du manuel de l'employé. Si votre R4 requiert des citations interdépartementales, alors veuillez contacter le chef de département concerné, Dr Darling, Mademoiselle Marshall, Monsieur Salador, Monsieur Kirkland. Mardi, ils seront occupés pour leur version annuelle des procédures. Tenez-en compte pour vous organiser sincèrement votre équipe administrative. Mais il fait noir là-dedans. Putain, il n'y a pas de porte là. Mais pourquoi il n'y a pas de porte à leur truc là? Y'a rien là-dedans. Hey, excusez-moi. Ah, il fallait se rapprocher de lui. Ah, te voilà. Je suis là à cause de travail. Assistant concierge. Ah. Tu dois passer de l'entretien. Va vers l'ascenseur. Merci. L'ascenseur de ce côté. Il parle bizarre, lui. Très bon. Au fait, je suis Hatti, le concierge. Tu vas travailler pour moi. Tu peux dire que c'est moi qui envoie toi. S'ils ne te prennent pas, Nino Hevet. Il y a du travail pour Ash. Amène-le derrière son âge, malade. J'ai fait suffisamment de job de nuit pour savoir que ça peut paraître un peu bizarre. Pour moi,
A-t-il concierge a plutôt l'air sympa. Mieux que quelqu'un avec visage nouveau. Pense. Visage nouveau. Je me doute de ce que tu penses. Il est plutôt du genre à tuer des gens à coups de hache. Quoi ? La VOD elle s'appelle un coin troll. Ah putain c'est bien ça. Ah oui oh, c'est bien. Oh j'y penserai. T'as pas une carte Nvidia de mémoire non ? Non non moi j'ai de l'AMD moi. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Y a des trucs qui sont pas faisables quand on a pas une carte graphique Nvidia à 12 000 boules. Bienvenue dans contrôle de jeu on pige rien ouais. C'est moche de moquer des gens, des personnes étrangères et de leur accent. C'est surtout que ça avait strictement... On comprenait pas quoi. Le ray tracing. Vous savez qu'il y a du ray tracing maintenant aussi dans, chez AMD. Hein. Mais j'ai... Quoi ? Hein ? Attends... Quoi ? Hein ? Mais c'est quoi ce merdier, tout a changé là ? Y'a un souci avec Nvidia la RTX. Ah ouais non moi c'est là c'est juste sombre en fait. Mais pourquoi ça a tout changé là ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Oh non mais le jeu c'est déjà le mindfuck total quoi. Je vois rien. Attendez je vais augmenter le gamma parce que... parce qu'on voit que dalle. Hein. Ah oui. Plus vous, ça doit être horrible. Ah ouais, bah tout de suite on voit mieux. Hein. Ah bah c'est mieux, ouais. Il a peut-être dû, fallu attendre de reposer ton cerveau entre Outer Worlds et Control en fait. Ah. Ouais, il y a un truc là. Mais c'est là où j'ai été. Quoi que je fais tomber depuis tout à l'heure là? Ah d'accord, c'est son petit chariot. Tiens. Je suis vraiment pas sympa. Bon. Alors tout a changé et le cul du janitor c'est devenu un ascenseur. La cellule. Le poster. J'avais 11 ans la première fois que j'ai vu au-delà du poster. On m'a dit que je l'avais imaginé. Depuis j'essaye de l'arracher. Vous allez m'aider ? C'est quoi ces ordis là ? Ah, le petit début genre film... C'est Control le jeu. Je sais pas si vous le saviez. Le jeu il s'appelle Control. Est-ce que je t'ai perdu ? Juste pour un moment.
Tu sais à qui je pense, mon petit frère Dylan. Ça fait 17 ans que les gens de ce bureau l'ont pris. Ça fait pas de bruit. Ah, alors attendez, vu que j'entends une alarme, je peux vous raconter ce qui m'est arrivé ce matin. J'ai été réveillé. J'ai été réveillé ce matin à 6h30 par un bruit curieux et étrange, par une sorte d'alarme. Et il casse tout, il sait pas se contrôler. et donc ce matin, réveillé à 6h30 et par une sorte d'alerte. Et en fait, c'était dans la maison à côté, qui collait à la mienne. Il y avait le détecteur de fumée qui s'est mis en route. Sauf que le problème, c'est que en fait, il y a personne à côté. C'est les anciens locataires sont partis. Et donc voilà, ça a sonné jusqu'à ce que quelqu'un de l'agence vienne, c'est-à-dire jusqu'à 9h. Jusqu'à 9h, j'ai eu le détecteur de fumée pleine balle à côté et l'isolation phonique est nulle à chier entre les deux. J'ai adoré, j'ai kiffé. Hein. Oh là, j'ai une mission. Bienvenue. Jesse Fadden arrive à l'ancienne maison, le QG du bureau fédéral de contrôle, pour comprendre et éclaircir les mystères de son enfance. Alors, rappel, brouillon des documents destinés au public. Lorsque vous rédigez des lettres de condoléances relatives à l'EAM de Willow, veuillez respecter ces consignes. Mots et phrases recommandées au service de son pays, condoléances, fierté. Ne sera pas oublié. Mots et phrases déconseillées. Alaska, ciseaux, sans hémorragie, perte, excuse, désolé. Ok, donc cette machine est contrôlée à distance. Ah, le mec là. Le mec a des photos de lui partout. Encore des photos là. Silent qui nous fait une très belle imitation de Charlie Oleg. c'est le directeur, c'est aux US, c'est normal. Ah, ben oui. Attendez, il y a des trucs au mur. Putain. Ah mais Jessie, elle prend les elle soulève les bureaux, hein. Regardez. Hop. Moi, je soulève les bureaux, hein. Jessie, elle soulève vos darons et les bureaux. Sont où les coins-coins? Country Road. Ont oublié de fixer la planche sur les caissons en même temps. Bah ouais, pas malin les gars, pas malin. Qui a fait ça? Alors, nom officiel, Trench, ne pas déranger, Barbara, personne ne doit me déranger, annuler tous mes rendez-vous d'aujourd'hui et du reste de la semaine. Je ne veux pas me fier à eux, Barbara, à personne. Prends le téléphone. Prends le défibrillateur.
J'ouvre le truc avec ma tête. On peut pas faire de roulade par contre. Marche pas. Hein. Bon, allez. L'arme qu'il a utilisée, vraiment? Putain, c'est quoi ça? Ce que je suis venu chercher risque de s'échapper. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle parle à qui? Elle parle à qui? Qu'est-ce qu'elle raconte? Regardez, je rentre dedans. T'as entendu un pan? Bah oui. Pas crédible la VF. Si vraiment ça vous emmerde la VF, on peut passer sur la VO. Pan, c'est le bruit qui a fait le paquet de litière neuf que j'ai chargé dans ma voiture hier, un plaisir. Ah, j'ai acheté sur Amazon moi de la litière pour chat compostable. 17 kilos. J'en ai acheté deux comme ça. Et c'est pas rigolo à mettre dans la caisse du chat. Hein. Je me suis tué le dos à soulever le truc et à vider ça. C'est horrible. Parce que tu l'as fait en VO. Ah, allez. Allez. Country Road. Je peux pas. Je suis que dans le menu principal. Dommage. 17 kilos, ouais. Ouais. Ouais, c'est un enfant mort. Attendez, dès que je peux sauvegarder. C'est quand les sauvegardes? Vous avez vu des sauvegardes ou pas là? Est-ce que vous avez fait gaffe s'il y avait une sauvegarde ou pas? Ouais, à la prochaine sauvegarde, je retourne dans le menu principal et... automatique, tu peux relancer, ok. Oh, je nous le mets en allemand, non? Ça vous dirait pas en allemand? Allez, c'est parti. Au pire, t'as perdu moins de 5 minutes. Ouais. En russe, ouais, mais je suis moins bon en russe, moi. Quoi? Oh merde, me revoilà là. Ah bah bravo, hein. J'avais tout bien renversé, là. Tu sais ce qui est sur mon mind. Mon baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Voilà, là il y avait rien, là il y avait rien. Là il y avait rien non plus. Là je peux pas ouvrir. Paf paf, je peux pas ouvrir. Là il y avait que dalle. En fait, il y avait rien. J'ai vraiment rien récupéré là sur les deux pièces. Ah, j'ai eu peur. j'ai pas eu peur la première fois, j'ai eu peur cette fois-ci. A country... Ah bah non, mais ça marche en fait. Mais c'est quoi ces conneries? Bon, bah ouais, j'ai... Mais en fait, c'est marrant parce que... Du coup, le truc que j'ai récupéré avant la sauvegarde... a été sauvegardé. C'est rigolo ça. Je peux pas ressortir. Oh, c'est la même lampe que mon père il avait sur son bureau quand j'étais petit. Est-ce que je peux lui marcher dessus? Hein? Pardon? Non, désolé. Non, non, désolé. Non, non, non.
Les documents sont cross-sauvegarde et cross-party de mémoire. D'accord, ok, donc c'est pour ça. La voix FR faisait tellement plate en dehors de l'action. Ouais. Avec les mêmes traces de sang ? Non, ça va. Mon père m'a jamais éclaté la tête contre le bureau. Je m'en vais. Je m'en vais. And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Look at this place. Quoi ? Where am I ? Alors, j'ai pris l'arme. L'arme, seul le directeur peut manier l'arme. Et donc là, c'est soit je vais mourir, soit je vais pas mourir. Comment on manie l'arme ? Ah, j'ai pas l'arme. Alors. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. A side note, remember to cover their connection to the astral plane as well. Now. The service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Lose and you're, well, fired. Thank you. I'm Dr. Darling, head of research, Federal Bureau of Control. C'est rigolo qu'ils aient mis des vidéos pas avec le moteur du jeu quoi, c'est des vrais acteurs, des vraies vidéos, c'est marrant. T'es sûr d'avoir vu les streams du jeu ? Bah ouais mais en... j'ai regardé bah, pendant que je bosse, hein, donc souvent je joue plein de trucs hein, quand je regarde des streams l'après-midi. J'ai pas vraiment toute l'histoire quoi. Et je crois que j'ai même pas vu le début. Et Yannick Melial, elle avait déjà bien attaqué le... Elle avait déjà bien attaqué le jeu en fait quand je l'ai vu. Et Ok, non mais sauter ça je savais hein. Ok, je peux grimper. Le jeu m'apprend à grimper. Il y a un mec là. Ah ouais, mais des patates quand même, non ? Ah ça y est. Ça y est. Il y a Johanna qui commence à me touiller là. Ah merde. Peut-être que je vise avant, non ? Ah d'accord, quand je vise, ok. Quand on s'en sert pas. Récupère des munes. Il y a un truc par terre là. Oui, il y a une âme par terre là. Oh, mais après Outer Wilds, pourquoi je fais le jeu là hein.
Allez les mecs. Il tire l'enfoiros. Ils sont blessés, les ennemis laissent des éléments de santé ramasser pour regagner de la santé. Quoi? C'est des trucs par terre là ou pas? Moi je fais le tour. Hein. Je trouve il y a des coins-coins derrière. Moi, je veux les coins-coins. Je veux les coins-coins. On me tire comme Rabia. Vous avez vu passer Rabia? Ah là je suis full life. D'accord, ok. Ça marche. Pyramid spoke to me and it was just noise and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Things have quieted down outside. Is it safe to go? Les petits points bleus régénèrent ta santé. Être full life dans vos autres jeux, c'est une blague récurrente. C'est-à-dire que j'y serai jamais ou J'ai une... Oh, oh j'ai la carte maintenant. Je peux me déplacer. Oh là là, je peux me déplacer pendant que... Non, 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 c'est bon. Eh bien, écoutez... c'était contrôle, c'était vachement bien. Franchement, chapeau à Remedy. Très très bon jeu, vraiment j'ai aimé, j'ai aimé. Et maintenant du Isaac. Putain, non mais ils me refont une, non ils me refont une Outer Wilds là. Le mec est mort, il parle, son armée vivante. Je suis heureux d'être ici. Ouais non, elle est un peu zarbi. Hein. Je leur tire dedans là. Oh. Et oui non. Quoi? C'est chelou les gens normaux là. Oula, oula, il y a des trucs là. Quoi? Recherche de terrain sur les entités du IS. Garde contaminée par le IS. Confidentiel, résumé. La sécurité du bureau compte de nombreux membres. Le IS en a rapidement tiré parti. Les gardes du IS portent des fusils Bullpup, dont ils étaient dotés avant leur contamination. Tandis que les gardes en armure portent des fusils à pompe. On a observé chez eux aucune capacité paranaturelle, à l'exception de certains gardes du IS protégés par un bouclier de résonance du IS dense capable d'arrêter les balles.
Est-ce le fruit d'une contamination prolongée? Le Hiss fait-il évoluer ses hôtes organiques au fil du temps? Nous avons besoin de plus de données. Le Hiss a-t-il été ciblé? Non, le Hiss a-t-il ciblé les individus entrés au combat? Dispose-t-il de ce niveau de capacité cognitive? Utilise-t-il ses hôtes pour les tâches pour lesquelles ils sont les plus compétents? Les hôtes entraînés au combat sont envoyés à combattre? Ces questions devront attendre, mais il est évident que les individus contaminés par le Hiss n'ont pas oublié comment se servir de leurs armes. Le dossier contient un rapport complet. Ça c'est ok. Oh regardez, j'ai la photo de mon chef, enfin l'ancien chef. Arme de service. Pour ces autres confinement, aucune procédure particulière est requise. La forme de l'objet varie. Quand il est lié, l'objet permet au para-utilitaire de... seuls les individus désireux de jouer le rôle de... doivent se lier à l'objet. L'objet déterminera s'il est rejeté, le candidat est écarté. Cette procédure est rendue nécessaire par le... mais nous ignorons tout de leurs critères. Antécédent, l'objet a été découvert dans l'ancienne maison, dans la pièce qui sert désormais de bureau au directeur. L'hypothèse la plus populaire veut que bien des formes durant notre histoire. Mjolnir, Excalibur, Varunastra, autant d'armes qui... de leurs possesseurs. Si les objets de pouvoir sont la convergence de forces qui prennent source dans le subconscient collectif, alors il s'agit peut-être de la première manifestation de cet événement. Dans ce cas, voir l'exposé 11.1 du docteur Darling pour plus d'informations. Je comprends rien ce qui se passe. C'est Outer Worlds all over again. Vraiment... Mais je suis directeur maintenant. Merde, putain, la porte qui s'ouvre, ça me fait peur là. Ok. Directrice, en vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai que des fois, je parle de mon genre à moi. Ah bah si c'est la hotline de OVH, on n'est pas dans la merde, hein. The hotline, says the dead man. Okay. Les matériaux. Je sais pas ce que j'ai récupéré. Ordre du jour de la prochaine réunion de l'exécutif. Augmentation du coût des réponses EAM. Rapport de rééducation de la mousse. Prochaines analyses annuelles des salaires. Recherche et validation d'un nouveau fournisseur de filtre à café. Veuillez venir préparer. Merci de votre attention. Très important les filtres à café. Bah
reminder, if you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. 1. Search the room for any altered items or objects of power. 2. Carry the altered item or object of power to the nearest safe room. 3. Wait for Bureau staff to find you and the object. If there are no altered items or objects of power in the vicinity, then reach your supervisor via the nearest intercom and await further instructions. Thank you for your attention. Attends, le petit jingle SNCF là à la fin, il est parfait. Hein. Ouais, c'est ce que je viens d'écouter. Mais vu que la vidéo de tout à l'heure, quand je la regardais moi-même, elle était plus longue. Les voix là, elles sont en français par contre. Attendez, on est où là? Pourquoi j'ai le shelter tout droit alors que... Attendez. Voilà, regardez, il y a un truc là. Let's mold, ok. Réservation au restaurant. La table est réservée à 19h chez André. Votre femme vous y retrouvera, ne soyez pas en retard. Des fleurs vous attendent dans le salon de la réception. Souvenez-vous, ce sont ses 46 ans. Super. Encore un mari incapable de se rappeler d'une date d'anniversaire, quoi. T'es directrice maintenant, c'est normal qu'on accroche ta photo, non? Souci? Pas du tout. Putain, mais c'est chelou le jeu là! Perso, le jeu, je l'ai raté au bout de 2 heures en gros. Et tu finis aucun jeu, toi. Tu commences tous les jeux et... C'est ce truc-là hein, que je dois lire? Ok. Exclusivement réservé à Marshall. Marshall, nous avons vérifié un éventuel EAM à Duluth. Fausse alerte. Tout comme la maison incendiée, juste avant. Et le sèche-linge, juste avant. Mon équipe commence à en avoir marre des ratés. Nous devons trouver un moyen... de distinguer les faux EM des vrais. Sinon, il va falloir faire tourner les agents de terrain. Bref, en route pour Laurent Sherman. C'est le suivant sur la liste, espérons qu'on n'y va pas pour rien, sincèrement. Allez, donc faut que je ramène un truc dans le shelter. Et après que je ferme le shelter. Putain, les trucs qui se ferment tout seuls là, ça me... Putain, mais il y avait des mecs! Il y avait des mecs, il n'y a plus les mecs! Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? All right, it's our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Moi j'ai arrêté à la fin de l'heure d'essai pour la version cloud sur Switch. J'ai la version PS5 depuis, mais je l'ai pas encore lancée. Non c'est pas vrai, en général je joue un peu. Et puis 6 mois, 1 an après, je retourne dessus, je le pense à fond jusqu'à ce que je le finisse. Ouais, tu vas nous faire une horizon avec quoi.
Alors, les légendes urbaines sont supposées affecter la création de matériaux altérés, mais pourraient aussi conditionner les caractéristiques d'un événement d'altération de monde. Attendez, je vais relire. Les légendes urbaines sont supposées affecter la création de matériaux altérés, mais pourraient aussi conditionner les caractéristiques d'un événement d'altération du monde. Les légendes urbaines sont considérées comme l'évolution des archétypes de Jung. Nous reconnaissons certains informés par nos propres et rendus populaires par nos médias. De plus, nous avons prouvé que les légendes urbaines peuvent même être artificiellement dans la culture populaire en recourant à l'anthologie télévisuelle produite par le bureau. Une fois les graines semées, l'imagination humaine ajoute des détails. Certains phénomènes paranaturels contiennent des éléments de tradition populaire évidents. Les EAM ne se produisent que sur une paire de ciseaux qui consomment du humain par deux trous dans le... La force de ces éléments qui participent de l'inconscient collectif dépend des croyances de chacun. Les anges urbaines ne sont pas que des histoires d'enfants. Ce sont des réalités paranaturelles latentes. Le dossier 493-6942 contient un rapport complet. C'est chelou. Oh, regardez! Il y a machine du temps, là. De Loki. Vous voyez? Il y a le truc dans Loki, là. Une Horizon, une Witcher 3, ouais. J'ai fait la même chose avec Subnautica aussi. J'ai mis le code de triche à la fin, c'est trop. Il y a le tic-tac de Loki. Alors, évaluation des visiteurs. Comment gérer les visiteurs imprévus qui entrent dans la réception? Commencez ainsi. Bienvenue au Bureau fédéral de contrôle, fondé en 1964 dans une démarche de renforcement des relations du gouvernement. Nous sommes fiers de servir les États-Unis et leur peuple, et nous nous efforçons de promouvoir la transparence et l'excellence dans les infrastructures de notre nation. S'ils ne partent pas, posez-leur les questions suivantes. Venez-vous voir quelqu'un? Résidez-vous à New York ou êtes-vous de passage? Comment avez-vous trouvé cet endroit? Si les réponses sont bénignes, expliquez qu'il s'agit d'un bâtiment fédéral interdit au public et invitez-les à partir. Si leur réponse semble... Escortez-les jusque dans une salle individuelle. Là, cassez-leur la gueule et effectuez l'évaluation psychologique de Gunners. Si les réponses sont dans la fourchette de déviance acceptable, voire la feuille de résultats fournie, alors immédiatement. Souvenez-vous, on n'est jamais trop prudent. Vous voulez tuer ? Pourquoi je peux pas passer? J'ai pas envie de tomber. Ah! Il y a du monde. Le bâtard. Ah merde, j'ai pas vu venir ça. Je n'aime pas combattre les Jenner, c'est pénible. Oui, je parle d'un autre jeu et oui, c'est Battletech. Ok. Putain, j'ai pas aimé. Putain, c'est long de chargement par contre. Me revoilà là. Oh non, c'est trop loin. Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? All right, it's our enemy. Oh mais les trucs que j'ai récupérés, je les ai déjà récupérés quoi. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Merde. Ah.
là. Oh. Tu vas souffrir si t'as pas aimé ce combat. Ah d'accord. Non mais encore un jeu où faut se planquer là. Putain, encore un jeu où faut se planquer. Attends, oh. C'est bon ouais. Je suis la directrice ou je suis pas la directrice là? Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss burrowing into everything in this place. Oh bravo hein. The hiss your enemy? All right, it's Il recharge. Putain, il y a l'autre connard qui est là-bas. Ah oh, putain, il est là. Oh l'enfoiros. Vite! Il est où? Dis donc les règles du chat. Int 2 donné par le jeu en écran de chargement, bouge tout le temps, être statique égale mourir, ce n'est pas je répète, ce n'est pas un cover TPS. Ouais ok. Je me suis ni moqué du streamer, ni j'ai fourni des noms attendus. J'ai juste statué sur un fait. Enfin, l'impression qu'il a oublié de lire. Bah oui, non, mais les trucs que je lis pas, ça fait partie du backseat. Hein. Certes, il n'y avait pas de skill affiché. Oh, attends, là. Oh, ça parle mal. Petit coup de poing là. Mais comment elle sait qu'il faut faire ça? Ah bah voilà, j'ai pas de tenue quoi. Je peux me déplacer? Ah d'accord, donc là j'ai pas d'autres endroits quoi. Oui. Can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh shit! You're the new director. Hold on, we're coming out. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this hiss that works, somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that?
My name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown, before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. It's... I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the Bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. Elle est dingo! Push the hiss out. Un conseil, essayez d'arrêter de comprendre le jeu. Ouais, peut-être. Peut-être. Tu sais que quand tu te poses une question, on a envie de te répondre, mais si on le fait, on va te spoil. Bah oui, non, mais c'est les questions sont à moi-même. Hein. Mis à part si je vous regarde comme ça en disant qu'est-ce que je dois faire ? Le faites pas, là, c'était un exemple. Hein. Mais sauf si je vous regarde comme ça, la question est pour moi-même. Moi, j'aime beaucoup quand les... j'aime aussi. Et je sais qu'il m'écoutera mal. La force coin-coin contre le hiss. Ou alors, casse le quatrième mur, qui est assez que tu la manipules. Espèce de magnétiste. Moi, j'aime bien tatailler. Ah, attendez. Matériaux conceptuels relevés indéfinis. Mémoire de la maison. Attends. Ah ! Mais le truc s'écrit au fur et à mesure, ça, non ? Ancienne maison de contrôle pour comprendre l'éclaircir de messieurs de son enfance. Et ouais, ça écrit au fur et à mesure, ça a rajouté le truc. Guidé par Hattie, le concierge de l'immeuble, Jesse trouve le corps de Zacharia Trench, directeur de bureau, du bureau tué par balle. Ramasse le pistolet qui se trouve près du cavadra et se retrouve immédiatement dans le plan astral. L'étrange comité l'invite à lier l'arme, qui en fait un objet de pouvoir appelé arme de service. Elle parvient et le comité l'informe qu'elle est désormais la nouvelle directrice. Ok. Les points de contrôle. Les points de contrôle sont des points identifiés par le bureau comme des jonctions vitales de l'ancienne maison. Quand les appareils d'harmonisation sont disposés autour du point de contrôle, dans l'arrangement de... la zone environnante ne sera plus sujette à des mutations imprévisibles du bâtiment. Ces points de contrôle sont découverts par détection d'un écho non obstrué en utilisant le... dans un rayon de 11 mètres. De nombreux chercheurs ont tenté de définir les points de contrôle, les appelant points névralgiques ou points faibles de l'ancienne maison. Le point commun de ces théories est que les points de contrôle sont sensibles à une influence extérieure, ce qui permet de stabiliser l'ancienne maison et nous sentir plus en sécurité à l'intérieur. En théorie, cette technologie pourrait être exploitée pour stabiliser l'ensemble de l'ancienne maison, mais les expériences ont démontré que certaines de ces parties résistent à... Le dossier 7252788 contient un rapport complet. Ok, j'ai tout compris.
Ça y est, j'ai tout compris au jeu. Tu dois appuyer sur les touches pour avancer, reculer, tourner la souris pour viser. Voilà ce que tu dois faire. Non, c'est pas vrai, moi j'utilise une manette. Il y a des screens qui se perdent pour faire des images. Il y a Genius qui est en train de screener à mort là. C'est qui toi? Je l'ai déhissé? Ah non. It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. Oui, oui, j'arrive. Ah, c'est bon. Si tu veux, toi. Tu veux rien? Tu veux rien non plus? Elle est où? Elle est là-bas. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, director. Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen. The Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an altered world event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. A few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost or whatever he is, he mentioned something called the hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. Mais qui elle parle? I was looking for answers, but c'est à moi I qu'elle parle. Understand them. Ah mais c'est peut-être à moi qu'elle parle en fait. I'm not looking for mais t'avais raison, Joanna. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. Ah, le petit téléphone. Attends, c'est comme dans Matrix. Attends, c'est comme dans... C'est... On est dans la Matrix, hein.
hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. Ouais, j'ai le stream en 300p pour pas que la vidéo saute trop like avec le wifi pourri de l'hôtel. Ah, dommage. Follow the signs to the mailroom. You can get to the hotline containment chamber through there. Good luck, Jesse. See you back here once you have the hotline. Thanks, Emily. Emily demande à Jesse de trouver la hotline, un vieux téléphone qui serait un objet de pouvoir afin de comprendre les messages que cherche à lui faire passer l'ancien directeur. Elles espèrent qu'elle pourra éclaircir les. Qu'il pourra les éclaircir sur l'invasion IS. Okay. Jesse est attaqué par le IS, une entité hostile qui a pris le contrôle des agents du bureau. Elle échappe à sa corruption et sauve quelques agents eux-mêmes indemnes, dont Emily Pope. J'explique la situation. Le IS a envahi le bureau et pris possession de tous les agents qui n'étaient pas équipés d'amplificateurs de résonance polyèdre ou ARP. Les appareils permettant de protéger de la corruption. Putain, c'est Metroid Prime. Le portrait. Mais j'ai déjà vu ça. Ah non. La photographie, après on a le portrait, d'accord, ok. C'est pas les mêmes. Ça, je l'ai déjà lu. Oh, c'est ok. Attendez, mode perso. Ah, attendez! On peut modder récupération d'endurance. Récupération de santé. Ah, d'accord. On peut mettre des modes. Amélioration de santé. Bah, yes, évidemment. Ah, je peux en mettre qu'un pour l'instant. Ok. Donc, déjà, j'ai plus de vie maintenant. Je vais parler à ma pote là, parce que ça y est, on est. The hotline should be in the communications department. On est les besties là maintenant. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. This trench guy. I keep hearing him in my head. Elle l'a entendu une fois, quoi. Deux. Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense. But an echo, maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I'd need the gun to research it. But you better hold on to that, given the circumstances. I think I will. Yeah. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Pas du tout. J'ai un pigé, meuf. Got it.
Non, non, j'ai rien pigé, hein. So HRA stop you from becoming Hiss. It seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Ah non, non, je veux comprendre par moi-même, hein, c'est gentil, hein, mais... C'est juste le bordel, quoi. There it is again, our welcome message. Il fait quoi le janitor là? Parce que c'est dégueulasse, hein. Il m'a vu lui? Ah oui, d'accord. Ok. Bah, je pense qu'il m'avait vu, hein. Alors, les frais de... Quoi ça, équipement? J'ai des modes d'armes. Oh là 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 là, ça fait quoi ça? Efficacité de rechargement. Les frais de voyage. Alors, les hébergements suivants du Nevada ont été visités. Des Air Sun Inn, Big Sky Motel, Starlight Motel, In and Out. Ah la bonne blague, In and Out. Aztec Court, Sleepy Bear. Sleepy Bear, ok. Motel, Silver Spurs Ranch, El Gato Blanco Inn, A Plus Lodge, hébergement 831,29 $. Quoi? Ça a augmenté, dis donc. Repas, 714 $. Carburant, 295 $. Mini Bar, petite étoile. Les cas de la recherche m'ont dit qu'accomplir des rituels pourrait m'aider à trouver des lieux de pouvoir, descendre un petit whisky, voilà mon rituel. Ok. Je me demande si un motel nommé Ocean View peut se trouver dans un état dépourvu de côtes, mais on ne me paye pas pour penser, pas vrai? Par principe, je demande à nouveau à avoir le budget nécessaire pour dormir dans deux chambres séparées chaque nuit. L'agent Relais et moi-même sommes vraiment fatigués de devoir partager la même chambre. Mais tout sur la route. L'agent L. Heinz. Putain, on nous a dit que... on nous a dit que Heinz, les ketchup, fallait pas... Ah ok, donc faut pas... Il y a l'autre qui est en train de s'énerver là. Il y a pas un autre truc? Il me semble que j'avais vu autre chose, non? Ah
Le streamer était capable de finir une phrase. Il fait des cliffhangers au milieu d'une phrase tout le temps. Ah ! Ah bon, merde ! Désolé, hein, mais je fais de mon mieux. Hein. Ah mais ça fait mal. Alors, résumé de la Havane, résumé des événements. Un événement auditif s'est produit à l'ambassade des États-Unis à la Havane, durant lequel la majorité du personnel diplomatique qui était stationné a été blessé. Décès ont été signalés et la communication avec le public a été gérée. Plusieurs prises, des agents du bureau sont arrivés à l'ambassade le jour même du signalement de l'événement par des canaux fédéraux, mais trop tard pour être témoin de l'EAM dont les rapports indiquent. Le personnel a soudainement fait l'expérience de vibrations et de sons intenses accompagnés d'une forte pression dans les oreilles. Ça a duré minutes, mais aucun phénomène visuel n'a été signalé. Les lieux ont été mis sous scellé et le personnel de l'ambassade a été transporté sur le continent. Après récitation de la formule I-9 dans les lieux, une botte de cow-boy a commencé à vibrer, indiquant un objet altéré. L'objet a été confiné et mené au bureau pour examen. Voir dossier AI-85 pour plus d'informations. Une botte de cow-boy. La barrière du IS. Le champ de résonance du IS est un obstacle physique difficile à définir. La barrière du IS semble être un moyen d'empêcher la fuite ou l'arrivée du personnel du bureau. Découverte de méthodes pour la contrer. Détruire les multiples sources de la résonance concentrées à proximité. Détruire les entités du IS de la zone. En raison de leur taille et de leur densité, les champs de résonance semblent nécessiter le soutien des autres sources de résonance de IS non reliées. À défaut de pouvoir puiser dans ces ressources, la barrière s'effondre. Est-ce qu'une structure inactive faite de résonance du IS compte comme un être conscient ou non? Ce critère est-il simplement valide pour le IS? Est-ce que la simple érection de ces obstacles à nos déplacements nous révèle à propos du IS quel est son degré d'observation et d'anticipation? Le dossier contient un rapport complet. Alors, on est où? À la cantine. Là, il y a un dossier au pipi room, quoi. Soyez sur vos gardes en raison de la récente fluctuation du point de contrôle le plus proche. La stabilité de cette zone a été réduite au niveau jaune. Gris d'influence vert, stable. Jaune, faible probabilité de mutation imprévue du bâtiment. Orange, forte probabilité de mutation imprévue du bâtiment. Rouge, fréquente mutation imprévue du bâtiment. Ok. Ok. C'est pas Dieu machine. J'ai fait un rêve et j'ai construit la machine que j'ai vue. Elle contiendra Dieu, mais pas celui que vous ou tous les autres connaissez. Un nouveau Dieu, ce sera son corps, son cœur et son esprit. Je l'ai fabriqué tel que le rêve me l'a révélé. J'ai utilisé le moteur de mon réfrigérateur et les bobines de mon grille-pain et de mes ventilateurs et puis la courroie synchrone du moteur de ma voiture et les roues du skateboard de mon fils. Dieu ne peut pas encore se déplacer, mais le rêve disait qu'il apprendrait tout seul. C'est juste un corps de débutant, comme un bébé mais en machine. Dieu doit bien commencer quelque part. Si vous voulez me rencontrer, contactez-moi à l'adresse figurant sur l'enveloppe. Mon téléphone ne fonctionne plus, j'ai utilisé son cadran pour fabriquer Dieu. Il y a un truc non consulté tout en haut.
Comment j'y vais? Non, t'as pas le droit de dire au streamer. T'as pas le droit. T'as pas le droit. T'as pas le droit. T'as pas le droit de dire au streamer. Approbation des lettres mortes. Cher directeur Trench, j'aimerais vous remercier pour l'approbation de ma demande pour l'archive des lettres mortes. Cataloguer la collection de courriers en retard du bureau fournira une base de données extrêmement pratique que les équipes de recherche pourront utiliser pour chercher tout lien au sujet connexe trouvé dans les lettres. En plus d'une finalité plus pratique, l'archive nous permettra de préserver les fenêtres vers de véritables expériences de contact entre le monde paranaturel et les êtres humains. Les lettres nous sont parvenues d'endroits et d'époques différentes, rassemblées comme impossibles à livrer par les services postaux. Le bureau est le meilleur endroit où les conserver. Je sais que toutes les lettres ne contiennent pas de véritables événements paranaturels, mais même celles qui se trouvent dans ce cas nous permettent de comprendre l'attitude du commun des mortels face à l'inconnu. Je vais évidemment commencer par compiler un système qui nous permettra d'analyser les lettres en quête d'informations de possibles liens avec les EAM et d'autres matériaux altérés. Alors, merci encore, j'ai vraiment hâte de me plonger dans ces lettres mortes. Tu joues à la manette? Oui, je joue à la manette. Ça fait 12 fois que je dis que je joue à la manette. 12 fois. Le poisson chanteur. Monsieur le gouverneur, j'ai appelé la police mais elle vient pas. J'ai un problème et vous devez envoyer des gens le régler. J'ai offert à ma femme un de ces poissons chanteurs à installer sur le mur. D'accord, c'est quelqu'un qui sait pas écrire. Mais c'est pas un vrai poisson. Il chante quand on appuie sur un bouton. Mais il est possédé par le diable. La nuit, il vole et chante des chansons diaboliques. Il dit plein de gros mots. Le diable est chez moi à cause du poisson. Il faut venir s'en occuper. Ma femme est pas contente. Quand pouvez-vous venir? Merci d'avance. Dwayne Barr. C'est rigolo parce que le mec il a un nom de poisson. Quoi? C'est quoi ce machin? Merde. Ah ah ah! Pas tout seul! Ok. Y'en a un autre. Thank you.
C'est marqué sur l'interface le bouton pour naviguer dans le menu, ouais. Bah j'avais pas fait gaffe. Ah zut! Non non, fais pas tomber ça hein. Les points de déplacement, donc maintenant je peux me téléporter quoi. Hop. À quiconque est concerné, je suis contacté par les anciens présidents des États-Unis d'Amérique. Ils apparaissent comme des guides spirituels pour me donner leur sagesse. John Adams passe son temps à dire que je dois réparer les États-Unis. Mais je ne comprends pas vraiment ce qu'il me dit. Ils ont tous des avis très arrêtés. On me dit que c'est dans ma tête, mais Theodore Roosevelt m'a montré comment réparer ma tondeuse. Et j'y crois rien du tout, moi en tondeuse. Expliquez-moi donc moi ça. C'est bizarre. De grands hommes défunts me disent des choses sur le passé et le futur. Si vous voulez profiter de ce talent pour que je vous aide à diriger le pays, faites-le moi savoir. Je sais que je serai utile à Maison Blanche sur mon faute. James Bartholomew. C'est bien. Attendez, c'est quoi le... Is love is in your hands. Club de lecture Penny, salut à tous les lecteurs avides. La bande de bouquinistes du bureau se réunira à l'endroit habituel à la table du coin de la cafétéria. Ah, super. Ce mardi 17h, livre actuel, à moins que, de J.D. Brooks. Tout le monde doit me remettre son commentaire avant lundi midi pour me donner le temps de penser à quelques amorces de discussion avant la réunion. Bonne lecture. Penny Bartwell. On peut casser les trucs. Threshold Kids. Ah par contre on a affaire à la télévision la plus balèze du monde quoi. C'était ouvert hein. Ça c'était ouvert avant. Ok, bon, on continue. Ah d'accord, quand les portes sont rouges, on peut pas y rentrer, ça y est, je viens de comprendre. Je viens de comprendre, porte rouge égale pas le droit de rentrer. Soviet nukes. This is not the disc, of course, but one exactly like it. A perfect fusion of concepts vibrating in the Cold War era collective unconscious. A receptacle. It is a receptacle for dangerous energies to hone in on, and they did. We don't have the details, but when things started flying around the disc, it was transferred to us. It's an object of power. OOP. Oops. Oh, and it can launch things telekinetically through the air. To date, we've launched maybe 3 dozen pencils. And once, we even launched a cup. Putain. Putain. Là, ils font voler des stylos et des crayons et des stylos et des briquets, quoi. Franchement, ça coûte combien leur truc là? C'est quoi leur budget là? Attendez, là ça mène où? Ça remène à la cantine ça? Mais il est où? Non, foireuse.
Ah, vous êtes toujours là parce que j'ai eu un petit bug du chat. Je sais plus où je devais aller. Plus haut ? Allez, plus haut ! Communications. We're on the right track. Là, j'y suis allé, hein, oui, ok. Mais elle est pourrie quoi. La map elle est pourrie hein. Rendez-moi la map de Doom Eternal. Hein. Attendez, usage d'internet. Alors, internet c'est pas pour les social media. Alors les documents du bureau de contrôle ne doivent pas être scannés et uploadés. Les emails c'est juste pour le boulot, attention hein. Il faut une autorisation le niveau 5 pour accéder à internet. The cubicle's black rock shell gets damaged, je sais pas ce que c'est. Faut avertir Monsieur Thomas. Si vous notez, vous avez l'impression qu'il y a un texte dans votre espace de travail, c'est pas vous qui l'avez écrit. Il faut absolument appeler Monsieur Thomasy. Ah, c'est Thomasy. Faut pas évidemment connecter son téléphone portable sur le réseau. L'imprimante, c'est juste pour les communications dans le département. Les objets altérés sont interdits. Et s'il y a une brèche, vite. Activez Avast. N'oubliez pas. Hein. Ah! J'aime pas très leur truc là. Alors, le club de lecture. Mais la disquette c'est bon. Mais je viens de l'avoir la disquette là. Note de lecture pour Penny L. Samson. Bon, je ne lis pas beaucoup de science-fiction, mais en matière de space opéra, ce bouquin n'était pas mal. Le titre, à moins que, pouvait référer à pas mal de choses dans le livre, mais je l'ai trouvé vague et plutôt bête, la façon dont les personnages passent leur temps à le dire, parce comme un slogan, rapidement devenu casse-pied. Les batailles spatiales sont le point fort du livre. J'étais pour ceux d'outre-espace, évidemment. Parce qu'ils avaient la technologie la plus cool et leurs motivations m'ont semblé les plus raisonnables. Honnêtement, si je devais choisir entre une bande de hippies de l'espace, paix amour à tout le bazar, et des guerriers de l'espace bourrins qui dévorent des planètes comme des sushis à deux un dimanche, ce serait vite vu. La scène où ils envahissent la planète urbaine et convertissent toute sa population par des vers cérébraux, et le combat spatial entre deux excellents pilotes, je valide et je survalide. Ce qui a gâché la fête pour moi, c'est que mon personnage préféré meurt à la moitié du récit et se mange un cylindre de batterie en pleine tête propulsé par une anomalie gravitationnelle. Sa mort ne m'a pas paru nécessaire. Voilà, encore les gens qui disent blabla. Moi, si je l'avais écrit, j'aurais mieux écrit. Un objet de pouvoir. Aïe.
passe le tour. La disquette. Attrape la disquette. It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The board's in charge here. Their pyramids in the Bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no one's director. Maintenez RB. J'adore. Attendez que je vise là. Vous êtes toujours... Est-ce que quelqu'un peut écrire quelque chose dans le chat, s'il vous plaît? Ah, ils m'ont mis une disquette, quoi. There you are. You were gone. Cut off. I got it. Just like you wanted, right? This way. Merde.
Attendez, hop. Je vais recharger. Alors, soit vous êtes tous partis, soit mon chat était en PLS. Ok. Alors, est-ce que je pouvais avoir autre chose là-haut ? On avait que ça, rien d'autre. Non, on avait accès à rien d'autre ici. Ok. Bon, j'ai trouvé la disquette. Là, je peux pas rentrer. Maintenant, je peux choper tout quoi pour balancer sur tout le monde. Ok, donc ça c'est juste un petit jumpscare là. Petit jumpscare des familles. Je vais. Ah, ah. Ah, en fait le... Oh d'accord. La flèche elle montre vers là où je... Ah, ok. C'est pas mon regard en fait. C'est là où la caméra est. Ok, donc ça c'est tous les courriers. Efficacité de lancer, ok. Ça me permet de lancer pour moins cher, quoi. Alors. Space Heater en démolition contaminée par le HIS. Le bureau notarise que certaines personnes avaient très entraînées à employer des sections d'armes et d'équipements explosifs. Les experts en démolition sont versés dans l'emploi d'explosifs dans les dimensions dont les lois physiques diffèrent. Ce qui fait des atouts vitaux en matière de génie et au combat. Ceux qui ont contaminé par le HIS sont les seuls de ces hôtes à manipuler les roquettes spécialement conçues pour les identifier et traquer les identités. Ce qui en fait les cibles prioritaires en situation de combat. Je trouve remarquable que le HIS limite l'utilisation de ses armes au personnel du bureau spécialement entraîné à les manier. Qu'en déduire en ce qui concerne son comportement, qui est incapable de transmettre du savoir-faire d'une entité à l'autre, qui a encore trop d'inconnus. Ce dossier contient un rapport complet. Et sur les entités de HIS, soldats contaminés par le HIS, les soldats sont les forces expéditionnaires du bureau bien armés et bien entraînés. Ceux qui ont été contaminés par le HIS sont tout aussi efficaces. Alors, leur contamination. On peut descendre là ou pas?
Ok. Avant leur contamination, le soldat est entraîné à utiliser diverses armes afin de les faire face à tout risque qui implique une contamination EAM ou à une exploration de lisière. Ces armes incluent les mitraillettes, les fusils d'assaut et les fusils à cartouches automatiques. Le soldat du IS emploie ses armes ainsi que les tactiques avancées apprises auprès des instructeurs du bureau. Certains sont équipés d'une arme corporelle fabriquée par le bureau. Chez les soldats du IS, aucune capacité naturelle, paranaturelle n'a été observée, mis à part quelques individus protégés par un bouclier de résonance dense du IS capable d'arrêter les balles. Tandis que les soldats sont toujours capables d'exploiter leur remarquable entraînement malgré leur situation. Et là, 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 là. Allez hop, le dossier contient un machin. D'accord. La disquette. Procédure de confinement, le jeu doit être confiné dans une cellule dépourvue de tout objet non fixé. L'objet, une disquette de 8 pouces contenant les codes de lancement nucléaire de l'ère soviétique. Quand elle est liée, l'objet permet aux paratilitaires de manipuler les objets par télékinésie et de les lancer sur une courte distance. Vous exposiez 11-15 du Dr Darling pour plus d'informations. Actuellement, l'objet est lié à... afin de procéder à des expériences. Antécédemment, l'objet était volé dans une base militaire soviétique située à... par des agents et avec l'aide de la CIA. La disquette contenait des codes de lancement de missiles et on pense qu'elle devait être employée contre. Une fois arrivée aux États-Unis, la disquette s'est mise à lancer du matériel informatique aux membres de l'équipe de déchiffrement. Un indique membre de la CIA a averti le bureau. Le lendemain, la disquette est entre les mains de nos agents. Ah, petit dossier là. Petit dossier. Alors, résultat de l'EAM de Willow. Résumé de campagne d'information de l'EAM de Willow. Les sites d'information nationaux ont commencé à publier la nouvelle d'une attaque d'ours polaires dans une ville d'Alaska. Vous savez tous que je n'aime pas me vanter, mais prétendre que la famille a été tuée par des ours polaires affamés à cause de la dégradation de leur écosystème et du réchauffement global est un coup de génie. Exploiter les inquiétudes à propos de l'environnement rend le public bien moins susceptible que... susceptible d'eux, d'ailleurs. Nous avons donc un EAM de plus à notre ceinture. Le public n'en sait toujours rien. Bien joué tout le monde. C'était une campagne efficace et exécutée à la perfection. Ça ne signifie pas qu'il faut cesser notre veille. Et afin d'étouffer les opinions divergentes, on semble bien être tiré d'affaire. Thomasy, terminé. Merde, par où je suis rentré? Voilà. There's a key nearby. Ah, effectivement. Mais on va s'arrêter là et on va faire une petite pause. J'ai même pas remis ma tronche. Hop, petite pause. YouTube, je vous fais des bisous. On se retrouve pour la prochaine session qui arrivera tout de suite pour nous et pour vous une autre fois. Des bisous YouTube.